Salut là-dedans, j'espère que ça va bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Alors, qu'allons-nous voir dans Speed Actu ? Eh bien très simple, John Jones qui répond à Francis Ngannou. Suite à leur précédente prise de bec sur Twitter, rappelle-toi, nous avions fait la review. Francis avait défendu Israël Adesanya face à ce dernier. Mais alors que nous pensions Bones vaincu sur Twitter, il a décidé de se ressaisir pour un ultime comeback. Et il a mis comme premier tweet, oui parce qu'il y en a plusieurs, accroche-toi, regardez Francis qui vient défendre Elsa, comme c'est mignon, je pourrais rester inactif pendant 2 ans de plus, et à vous deux, vos accomplissements n'arriveraient même pas à la hauteur de ce que j'ai fait dans l'octogone. Sympa, il compare ici à la Reine des Neiges, d'ailleurs ça serait tout de même énorme que celui-ci fasse son entrée en tant que Elsa pour son prochain combat. Qu'est-ce que t'en penses? Exprime-toi dans l'espace commentaire, ça serait énorme non? Bref, la suite, car un fan a répondu, et lui il a également répondu au fan, donc le fan ami exactement, et Francis a une défense de titre à peine à son actif, et à John Jones a mis et encore. Mais attends, car Jones n'était pas encore rassasié après ces deux salves, il s'est donc permis d'en rajouter une couche en 10 ans. Je ne suis vraiment pas impressionné par toi et ton gars. Je t'ai vu abandonner plusieurs fois et ton pote a failli finir dans la tombe la dernière fois qu'il a affronté Alex Pereira. Si vous remportez tous les deux vos prochains combats, alors je serai impressionné. Mais en attendant, gardez mon nom en dehors de votre bouche. Il y a une classe d'écart entre nous. Ben voilà, Bones est ultra piquant en Vérizi et ça se voit qu'il ne s'aime pas du tout ces deux-là. En tout cas, voilà, c'était une vidéo cool et sympa, la petite news et la petite actu, frérot Serette, qui se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié et que tu as pris un super bon court moment en notre compagnie. Les likes, les commentaires, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Je t'invite à activer la cloche si c'est ta première fois ici et que tu t'abonnes si tu aimes ce style de vidéo. Par moment, ben, je montre aussi ma tronche, voilà, c'est normal. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et on se dit à la prochaine. Bye bye.